Donc là, on va passer là sur la 91, juste les 7 premières ayats, d'accord? Donc c'est par le soleil et par sa clarté, et par la lune quand elle le suit, et par le jour quand il l'éclaire, et par la nuit quand elle l'enveloppe, et par le ciel et celui qui l'a construit, et par la terre et celui qui l'a étendue, et par l'âme et celui qui l'a harmonieusement façonné. Donc là, du genre, ils ont mis celui, celui, celui 3 fois. C'est pas du tout ça. D'accord? Donc là, on va regarder pourquoi les chrétiens ont le droit d'appeler Allah Père. C'est parti. 91, on va dire avec les de 1 à 7, les ayats, d'accord? Parce que c'est le cul d'Uranus qui est descendu, hein? C'est le soleil, d'accord? 1 à 7, l'ouverture. Fatiha. Donc, on avait d'abord la première ayat, on avait le soleil, d'accord, qui est masculin. Ensuite, la deuxième ayat, c'est la lune. La troisième ayat, c'est le jour. La quatrième, c'est la nuit. La cinquième, c'est le ciel. Et la sixième, c'est la terre. Vous voyez comment Allah met par ordre, le soleil vient le jour dans le ciel. La lune vient dans la nuit sur la terre. Rien que ça vous montre que le Coran ne peut pas être écrit par un humain. Je parle de l'inspiration, hein. Et les humains, vous avez réécrit dessus, je vais vous le démontrer aussi. Vous voyez? Donc, tout dire comme ça, c'est déjà propre. Le soleil, on le voit le jour dans le ciel, et la lune, on la voit la nuit sur la terre. C'est Allah. Donc, là, c'est-à-dire qu'on a trois. Le. Donc, on a trois articles masculins. La. Là, on a trois articles féminins. D'accord? Donc, c'est la lettre 13. C'est la lettre 6. Vous avez la foi, non? Quand vous y croyez, on y met la foi. J'espère que vous voyez bien. Donc, c'est le 39. D'accord? Et là, 3 fois 6, ça donne le 18. Et tout ça, vous avez oublié, dans le transparent, je vais vous le montrer, c'est Adam et Ève, Hawa. C'est comme ça. Donc, 39 et 18, ça nous donne 57. 39 plus 18, ça nous donne 57. Mais là, on va parler justement de septième ayat, où vous dites n'importe quoi. C'est le neutre. Donc là, vous avez dit avec l'âme, hein. Donc là, on va parler de l'âme. D'accord? Et là, on dit et de par l'âme et celui qui l'a façonné. Mais c'est qui le celui? C'est n'importe quoi. C'est qui le celui? Parce que quand vous dites et par l'âme et celui qui l'a harmonieusement façonné, c'est qui celui? Non, moi, Allah m'a montré ça dans la vision. Hal-Naf, effectivement, c'est l'âme. Et là, j'ai vu Al-Ruh Kudus. D'accord? Donc, ça veut dire l'Esprit Saint. Donc, on est dans le neutre, vous avez vu? On est dans le neutre, là. L'âme et l'Esprit Saint. Voilà, le nour. C'est comme ça, quand je mets le X, il faut savoir c'est le nour. C'est la lettre 24. Vous voyez? Donc c'est l'âme et l'esprit. Donc c'est pas celui. Déjà là, c'est une erreur de traduction. Il faut être clair. Parce que quand vous dites celui, ça peut être Lucie, c'est les mêmes anagrammes. Donc quelqu'un qui est spirituel, il va dire ah, non, il y a une erreur. Mais là, ils ne peuvent pas parler. Là, ce que je vous ai mis, c'est clair. Parce que ça vient d'Allah. Moi, je ne parle pas l'arabe. On me le montre. Donc on a l'âme et l'esprit. Donc ça fait deux neutres. Ils sont neutres. Deux neutres. D'accord? Donc c'est la lettre 14. Donc ça fait 28. Donc là, ça veut dire qu'on va lire la sourate 57, 28. Tout de suite.
Ça nous répond, donc déjà, c'est-à-dire qu'on doit avoir le double parce que tout est doublé. Hein. Qu'est-ce que vous êtes en train de me dire? J'ai oublié l'âme, ouais, l'esprit. Ouais. Donc je vais le redire après, oui, j'ai compris. Donc là, on va lire la sourate 57, verset 28. Donc c'est écrit, ô vous qui avez cru, craignez Allah et croyez en son messager. Ça, ce n'est pas obligé, ça. Normalement, c'est en son vecteur de message, d'accord? Pour qu'il vous accorde deux. Voilà, vous avez vu? Deux parts de sa miséricorde et qu'il vous assigne une lumière à l'aide de laquelle vous marcherez et qu'il vous pardonne, car Allah est pardonneur et très miséricordieux. Vous avez deux attributs. Pardonneur, donc il y a deux. Donc ce qui est dans le tableau, c'est bon. D'accord? Allah au 7. Donc c'est pour ça que les erreurs de traduction, c'est pas bon. Là, je vous les ai montrées, vous les regardez. Vous analysez dans les courants que vous avez, c'est pas bon. Ils ont tous fait cette erreur. Non. L'âme est celui qui l'a harmonieusement façonné, l'âme est celui qui l'a créé, et une âme est ce qui lui a donné forme, et une âme est ce qui l'a fait, et l'âme est ce qui l'a ajusté. C'est n'importe quoi. C'est et par l'âme et l'Esprit Saint qui l'a harmonieusement façonné. Là, c'est clair. L'âme et l'Esprit Saint qui l'a créé, et une âme est. Là, c'est plus les mêmes fonctions, vous voyez? Et ce qui lui a donné forme. On ne sait pas. Et une âme est ce qu'il a fait. Et l'âme est ce qu'il a ajusté. Donc là, juste là, 1, 2, 3, 4, 5. Il n'y en a aucun qui est dans le bon, là. Donc c'est pour ça que quand je vous dis que y avait le M et le F, d'accord? Ça veut dire c'est le 13, c'est le 4 et le 6, ça donne 1. Parce que Allah est la vibration masculine et féminine. Donc quand vous dites Dieu, vous appelez que cette vibration-là, d'accord? Donc là, il y a quoi? Donc vous appelez par Allah. Parce qu'Allah est le tout. Donc là, ça veut dire qu'il y a déesse. J'ai déjà fait plein de vidéos sur ça. Donc si Dieu déesse, d'accord? Ça que vous voyez en Égypte, il y a eu. Il y a dans la maths, il y a eu. J'ai lu le ciel et la terre, j'ai lu le Dieu et la déesse. Quand on dit le Dieu et la déesse, ça fait le tout. Le Dieu et la déesse, c'est-à-dire la force du un. Ça fait le un. Mâle et féminin, ça fait un. D'où la Bible dit, tu quitteras ton père et ta mère et tu t'attacheras à une. Tu t'attacheras à ton partenaire pour faire une seule chair. Il faut que ça fasse masculin, féminin. D'accord? Et le reste, c'est neutre. Le neutre, c'est le 15, c'est le 14, excusez-moi. C'est le 5, le cinquième élément. D'accord? C'est pour ça que vous voyez que les francs-maçons, ils mettent FM, le 1, et ils mettent fils du 1. D'accord? FM. Donc voilà. Donc là, je vais vous expliquer pourquoi on dit le père. Parce que quand on dit père, il y a mère. Mais c'est pas ça. Hein. Ils se sont trompés. C'est la langue des oiseaux. Parce que le père, c'est qui? Tu peux appeler Yana, ils appellent père Satan, père Iblis, père au Seigneur. Tout ça, c'est pas d'Allah. Nous, quand on parle, Allah, c'est. Je vais effacer. Je vais vous expliquer. Vous allez comprendre. C'est le père. C'est elle. On l'appelle elle. Il faut garder ce que Moïse a dit. Allah ne fait rien envers, Allah ne change pas parce que tout ce qu'Allah fait est parfait. Donc, elle, on garde le elle, ce qui nous donne 53, c'est la sourate étoile, mais dans la lumière qui est le X, la lettre 24, le nour, en nour, c'est le 35. C'est-à-dire, c'est la sourate du créateur. D'accord? Là, c'est toi le créateur. Et là, on a Père. Donc nous, en Égypte, on voit qu'il y a Ra, d'accord? C'est l'épi, c'est-à-dire que le bon épi, c'est Ra, c'est père. C'est pas père, comme ça, le père, non. C'est elle, père. Mais quand on dit le, c'est le père, parce que ça fait le créateur. Mais ça, vous pouvez savoir qu'avec le Coran, en fait. Hein. Si quelqu'un vous dit non, mais là, ça n'a rien à voir. Plus 1, plus 9, plus 18, plus 5, ça nous donne... Le 49, normalement, 49. Ouais. Donc, on va lire la sourate 53, verset 49. Donc, qu'est-ce que le 53, verset 49?
Donc le 53, verset 49. Et c'est lui qui est le seigneur de Sirius. Voyez? Les gens disent Sirius, maintenant il dit astre adoré par la tribu Uza. Ça n'a rien à voir. Quand Allah dit, et c'est lui qui est le seigneur de Sirius, et c'est lui qui a fait périr les anciens Had, ainsi que les Tamus et filles, rien n'en subsistait, ainsi que le peuple de Noé notamment, car ils étaient encore plus injustes et plus violents de même, il a nanti les villes. Sirius a rien à voir. Ça, c'est mon étoile. Parce que Allah est mon seigneur. On ne dit pas Seigneur, je vais expliquer, c'est mon sang. C'est le Seigneur qui sert Allah et l'Éternel. C'est-à-dire que moi, je suis venu que pour parler d'Allah. D'accord? C'est Allah, c'est bien écrit. C'est encore les constellations. Et ce n'est pas du niveau de ceux qui ont, les scribes qui ont écrit ça. Parce qu'il faut savoir, hein, Mohammed, le jour de la rétribution, n'a pas écrit et n'a ni lu le Coran. Donc ceux qui ont fait des erreurs, vous allez le payer. Vous mieux ne rien faire. Donc c'est El, Père. C'est le Père El. D'accord? Il n'y a pas de Il. C'est le Père El. Comme je vous l'ai dit, El. La langue des oiseaux, on entend El. Et les anagrammes inversés, ça fait Le. Donc on a le F, M. D'accord? Donc pour cette vidéo, j'espère que vous avez bien compris. C'est pas le père, les chrétiens doivent dire le père. Et c'est comme ça ce que Allah entend père. D'accord? Parce que Allah fait tout par double, il fait masculin, féminin. Voilà, c'est tout juste ça pour quand ils peuvent appeler le père Allah va rien dire. D'accord? Et ah, merci. Ouh là là, j'allais finir la vidéo mais un esprit m'a dit c'est pour ça qu'on dit Issa Ibn Myriam ou Mariam, Marie, d'accord? Parce que, oui, Allah me montre, je suis l'amour. Oh là là, il y a plein de trucs. Donc, c'est la sourate, oui, 91.7, amour, c'est âme, our, c'est le roux. Je suis l'esprit de l'amour, d'accord? C'est-à-dire qu'il est l'âme et l'esprit. L'amour, c'est l'âme et l'esprit. C'est-à-dire que vous devez agir comme Allah. Les âmes doivent se comporter comme le roux, qui est Allah. D'accord? Et du verbe amour, il y a du verbe amour. Quand on regarde le verbe d'amour, c'est aimer. Et aimer, ça donne Marie. C'est encore et la force du M. D'accord? Et Issa, qui est le fils. Issa est le fils. Donc on a encore la force M, F. La mère et le fils. D'accord? Pour que ça fasse un. C'est ça que c'est Ib. On faut toujours dire Issa et Ben Mariam. Mariam. Donc c'est la mère et le fils. Ça donne M, F. Ça revient. Ah. D'accord? Parce qu'ils peuvent pas avoir de sexe entre une mère et un fils. Parce qu'Allah, il n'y a pas de sexe. Et Allah, c'est le tout. Ça que c'est le tout, c'est all. Maintenant, vous, c'est A. Ah. 18. 9. Caverne. C'est fidèle. D'accord? C'est la fidélité. Donc, amour, âme, roux, aimer. Ça vient de Marie, la mère. Qui est F, le fils. Voilà. Et vous savez qu'en fait, elle aussi, elle est une femme et il est un homme. Donc, à eux deux, ils ont le MF, MF. Vous voyez, c'est important de respecter les mamans et les fils aussi. Parce qu'en Égypte, on dit une femme doit aimer son mari comme son fils et le mari, l'homme doit aimer sa femme comme sa mère. C'est le vrai amour quand il n'y a pas de sexe. Ok? Moi, je vous laisse sur ce samedi de Shabbat. J'aurai une autre vidéo qui va être sur une erreur. Mais vraiment, vous allez quand même vous désabonner, je m'en fous. Après, ce qu'Allah m'a montré, moi, je suis pas dans les émotions, je suis pas là pour vous plaire.
Moi, je mets ce qu'on m'a dit de mettre et la rétribution pour ne pas dire qu'on n'a pas vu. Parce que là, il a dit celui-là qui cherche trouve. Frappez, on vous ouvrira. D'accord? Donc, les chrétiens, vous avez le droit d'appeler Allah le Père. Même si vous l'écrivez comme ça, ça vous regarde. Allah est pardonneur. Personne ne pense comme Allah. Allah m'a dit, ils peuvent. C'est elle, Père. C'est le. Tellement Allah est amour. 35, c'est la sourate du Créateur. Donc, s'il vous plaît, tout est dans ce livre. C'est un livre. C'est la conclusion de tous les livres. Ça, vous ne pouvez pas le lire. Ce n'est pas la science, le nour, le hak. Allez, au tep. Donc, par contre, les chrétiens qui s'inventent une trinité, là, Père, Fils et Saint-Esprit, d'accord? Donc, si en gros, ça fait Père, Fils et Mère, parce qu'on sait que le Saint-Esprit, c'est Marie, même si vous ne voulez pas le dire, mais en fait, c'est... Il faut arrêter, c'est pas du tout ça. C'est chaque personne est unique, mais les personnes ne sont pas l'unique, d'accord? L'omniscient, l'omniprésent, l'omnipotent. Donc, la trinité, là, c'est pas ça, la trinité, c'est Ra. Yahweh, Allah. Voici la Trinité, c'est les trois noms d'Allah qui sont descendus sur terre. Et le dernier nom de Ra est Allah. D'accord? Que tout vient de Ra. Et ensuite, les chrétiens et les juifs, vous avez eu le nom Yahweh. YHW. Et ça finit par Allah. Donc votre Trinité, oubliez ça. Ça n'existe pas. Vous êtes dans l'idolâtrie inconsciente. Et vous pensez détenir la vérité, au lieu que c'est pas ça. Et on verra tout ça au jour de la rétribution. Parce que Allah se suffit. Et Allah n'a besoin de pas de messager, il a besoin de personne. Allah se suffit. Allez, je vous laisse.